suis né au Liban. Je suis d'origine arménienne. Je suis arrivé en France en 1989. J'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai continué à pratiquer, j'ai commencé en 79 et je suis arrivé en France avec l'équipe de kickboxing national libanais. Donc on a boxé ici. Au Liban, la situation c'était très chaud, donc j'ai décidé de rester ici, donc ça fait 17 ans que je suis là. Donc l'art de survie, c'est vraiment, si tu pouvais résumer la philosophie du système, en fait, ça serait l'art de survie. Un art de survie, oui. Dans la vie générale, par exemple, tous les jours, on accumule beaucoup de stress avec la société. Donc on apprend des exercices pour enlever tout ça. Parce que le stress accumulé, ça s'accumule, ça détruit le corps très facilement et très vite de l'intérieur. Puisque ça vient des militaires de l'armée russe, c'était très réservé pour très peu de gens, même en Russie, c'est très peu connu. C'était réservé aux gardes-corps de Kremlin et très très peu d'unités dans les unités spéciales de l'armée russe. Et là, le club, il comporte combien de licenciés? On a cette année 70 élèves. Des filles, des garçons? Non, la plupart c'est des garçons, on a trois fils. On a des gens de tous les milieux. On a des chômeurs, des obueurs de mairie de Paris, on a producteurs de télé. On a beaucoup de gens de différents milieux en fait. Des intermittents de spectacles, des danseuses. Qu'est-ce que tu penses que tu apportes par le système à des élèves alors, dans la vie tous les jours, en plus de savoir se défendre? Le bien-être. Le bien-être, bien sentir dans son corps en fait.